Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau jeu assez court, un petit jeu. Mr. Shifty. Vous allez voir, il n'y a pas grand chose, besoin de grandes explications. Pardon. Il y a deux touches, hein. Une touche pour se TP. Bon, ouais, ça fait un espèce de dash. On en a 5, ça se recharge assez vite. Et une touche pour taper. Mais vous allez voir, le jeu est très fun, ça ressemble un peu à Hotline Miami pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup moins dur. Et le jeu est très court. Hein. Je l'ai fini en moins de 4 heures. Hein. Voilà. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas joué, donc j'ai pas joué très bien. Alors, au début, on comprend rien, y a pas de scénario, on comprend pas tout ce qu'il fait. Alors, savoir que le TP en plus, on passe à travers les murs. Super fun à jouer. C'est un jeu qui défoule vraiment. C'est un jeu très cool, très fun, très rapide. Et pas besoin de trop parler. C'est un avantage. On peut prendre les armes comme ça. En général, ça one shot. Alors pour l'instant c'est très simpliste. Après le principe reste le même plus tard, mais on aura plus de types d'ennemis. C'est le jeu est quand même pas super simple. Quoi. Enfin, ça me paraît quasi impossible de le finir sans mourir. Si c'est la première fois qu'on y joue. Mais on a un petit sentiment de puissance en fait quand on joue au jeu parce que le perso est complètement craqué. Attendez, je me redresse sur ma chaise. Ah bah voilà, je suis mort. Vous allez voir, on recycle très vite donc... J'ai besoin d'entraînement parce que j'ai joué il y a quelques mois en fait. Alors, faut savoir qu'on peut retourner les ennemis les uns contre les autres parce que c'est... Comme vous voyez, on voit la trajectoire que les balles vont prendre. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est quand on a fait plusieurs coups là, il y a la barre au-dessus de ma barre de dash. Vous voyez qu'il se remplit. Quand elle est à fond, si on tire dessus, on esquive la prochaine balle. Merde. Non, par contre, ça va être facile de commenter et jouer en même temps. Et on esquive la prochaine balle et on est en mode bullet time quoi. Oh.
Voilà, niveau 1 complété. Donc pour l'instant on comprend rien de l'histoire, on comprend juste que c'est un mec qui s'infiltre avec une meuf qui lui parle, enfin voilà, le retoucher quoi. Bon, on sait pas ce qu'ils font, mais on va voir au fur et à mesure en fait. Voilà, bah les vidéos vont être courtes au début parce que je compte faire une vidéo par niveau du coup. Donc j'espère que ça vous a plu et puis bah, on se retrouve à la prochaine vidéo. A plouche.